Bonjour à tout le monde, bon début de semaine dans le Seigneur. Bisso wa toto sambelaka et bon début de semaine dans le Seigneur. Je suis Timoto Lenoir-Efika, analyste politique indépendant pro Vital Kamerhe, et ça c'est vrai. Et je suis initiateur et président du mouvement politique Tous pour une République nouvelle. J'ai créé cette tranche ou encore au travers de ma séquence Oyo, comment on appelle ça, que moi-même j'ai l'habitude d'appeler Mbokeleng. Mbokeleng aujourd'hui, c'est lundi, je ne veux pas à vous chauffer la tête, je vais aller tout droit au but. Mbokeleng, c'est un concept conçu par Timothée Lenoir sous la bénédiction de plusieurs mentors dans le cadre Yako communiqué pour l'intérêt à Res Publica. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, la situation, elle est tellement très alarmante au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a 6 mois, il y a un pays mal, si je m'abuse, entre 6 mois ou 8 mois. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a un annexe, il y a un annexe. Annexe, il y a une évaluation, il y a coût, il y a des travaux, ils ont 140 000 dollars. Mais nous apprenons que Mbokeleng qui n'a qu'une assemblée provinciale, c'est pardon, dans les 580 000 dollars. C'est ça l'objectif, il y a Mbokeleng, mais n'oubliez pas que Covid, na Kinshasa est bandit déjà menacé, soyons dans le respect et à mesure barrière. Bizarrement, au niveau de l'assemblée provinciale, les personnels politico-administratifs sont toujours payés dans le barème il y a 2011, laissé par Roger Ting. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. À ce que je sache, le gouverneur Gentil Ngobi a fourni un grand effort afin de mettre les députés provinciaux dans des conditions de la manière que bah, il va vous en avoir moyen de transport. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui les 4 jeeps neufs au Yobakangela qui ont rejeté une assemblée provinciale les a portés disparus? Où est l'inspection générale des finances? Il y a une liasse blanche quand vous passez à l'Assemblée provinciale dont Ting avait acheté à l'époque pour les personnels de l'Assemblée. Aujourd'hui, plus d'une année, ils ont en panne juste par manque à 680 dollars. Acheter les pneus, faire l'entretien d'une manière générale. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Actuellement, il n'y a pas de formation, de mise à niveau, non seulement par rapport aux députés provinciaux, mais surtout aussi par rapport au personnel politico-administratif. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. J'en interpelle tout le monde par rapport à la question sur l'Assemblée provinciale, parce que je ne veux pas que dans l'avenir ou encore à l'horizon, tout le bâtiment, la cause du blocage dans le mauvais fonctionnement et où tu n'es pas gouverné en Gobila. Moi, j'ai dit non. Donc, il est grand temps, l'inspection générale des finances, vous auditez toutes les grandes sociétés, mais vous auditez les institutions d'une manière générale, mais pourquoi vous auditez pas l'Assemblée provinciale de Kinshasa? C'est juste un point. Qu'est-ce qui se passe à la DGRAD? Qu'est-ce qui se passe à la DGRAD? Maman Abisso Azali, déjà à DGRAD, Azam, Maman Abisso Yangonzi, Yangonzi, Nalemba, Maman Sambi, qu'est-ce qui se passe? J'apprends d'après mes services, entre guillemets, j'apprends qu'il y a eu un achat au niveau de la direction générale de la DGRAD, d'une maison dont le coût est valu à 2 millions de dollars. Et le principe, il y a Shawana, n'a pas été respecté au niveau de la direction personnelle et des services généraux. Or, ils ont paraître qu'on a un niveau, il y a des gérades que cette maison-là, n'a pas rumeur en gros, évidemment, c'est un dossier connu de la justice, ce dossier-là, on voit que cette maison a été payée à 6 millions de dollars. Posons la question à Maman Sambi, DG de la DGRAD, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce n'est pas de l'acharnement, ce n'est pas de la personnification par rapport à un débat, mais nous voulons accompagner la vision du chef de l'État dans le cadre d'État des droits. Qu'est-ce qui se passe au Sankourou? Au Sankourou, aujourd'hui c'est lundi, le vendredi passé, dernier si vous voulez, il y a eu des élèves qui sont venus visiter le gouverneur Stéphane Moukoumad, tout en disant que la gratuité d'enseignement, où en sommes-nous? Bizarrement, ces mêmes élèves reçus par le gouverneur Stéphane Moukoumad, gouverneur Mabara. Et le gouverneur s'implique avec ses services. Ndeba Tuni Bana dans vraiment dans comment dire dans la souplesse Bana Balobino on a été utilisé Bapesa Kibiso Bambongo Bapesa Kibiso Bambongo et tout. Et bizarrement la province de Sankourou traverse des moments très difficiles. Le gouverneur de Sankourou Stéphane Moukoumadi a travaillé budget naïe par rapport à l'adoption il y a budget 2021. Aïe Koti Kango est pas président et assemblée provinciale. Il y a Sankourou monsieur Olambo Alobi yé à Kozoangote. Qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo? Un gouverneur qui vient déposer son projet de loi de finances il y a 2021 au Sankourou, Stéphane Moukoumadi, son président de l'Assemblée provinciale dit que non, ngai na kozangote, na zozano ba inscription uta na Kinshasa, na famille politique nanga. Vous connaissez les restes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays traversent des moments très compliqués. Aujourd'hui,
Qu'est-ce qui se passe autour de Richard Mouyege? Tout le monde incrimine Richard Mouyege. Richard Mouyege a donné l'argent à Machala Mouana. Richard Mouyege a envoyé de l'argent à Boketou Premier. Nous le voyons partout dans des réseaux sociaux. Je vous dis non. Timothée Lenoir, efficace que je suis un collaborateur du gouvernorat du Lualaba, dont je suis le conseiller spécial en charge de la communication pour la province du Lualaba. Ça veut dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ils ont fake news. On veut tout simplement salir l'image d'un des meilleurs autorités en Mboka, qui est Richard Mouyege. Aujourd'hui, le Lualaba, au travers les redevances minières, toutes les conditions ESA acquises. Aujourd'hui, le Lualaba, au travers les redevances minières, très chers frères et sœurs, ça veut dire que, très chers compatriotes, aujourd'hui, le marché de l'emploi s'ouvre au Lualaba. Donc aujourd'hui, Richard Mouyege, de par sa grandeur, son expertise, étant homme d'État politique, ne peut jamais être... ou encore dégager l'insubordination vis-à-vis de la personne qui est la première institution chef de l'État. Donc il y a une meilleure relation entre le gouverneur Chantini Ngoubia et son président de la République qui reste Fatih Béton. Merci, je vais chuter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lundi 30 novembre 2020, le chef de l'État reçoit officiellement tous les officiers militaires en fonction, afin d'échanger avec lui. J'ai béni Dieu parce que c'était ça ma démarche. Pendant au moins 2 semaines, j'étais en train de crier tout à la télé. Merci à Fatih Béton pour sa sensibilité. Il a écouté. Aujourd'hui, il va discuter avec ses officiers supérieurs, les mettre dans des conditions afin de permettre que l'intégrité territoriale soit au rendez-vous. Nous attendons les discours du chef de l'État. Voilà. Nous attendons les discours du chef de l'État. Je sais que c'est purement spirituel. Je m'arrête là. Nous demandons au chef de l'État qu'au travers de ces discours, et à la discours, il y a paix, il y a quiétude, où est-ce que le Ronabiso Nzala, où est-ce que ça soit assurance. Et j'ai saisi l'opportunité à 2 secondes pour dire au chef de l'État, je sais que vous êtes un homme de cœur, je sais que vous êtes un homme compatissant et miséricordieux. Pensez à votre ami, qui est le directeur du cabinet Vital Kamerhe, pour son évacuation, afin de bénéficier des vrais soins. Parce que l'élo peut perdre Azofunda IDPS, IDPS Azofunda peut perdre. Nous avons compris que le dernier mot revient à vous, chef de l'État. Et merci pour votre franchise de cœur. Nous savons que Vital Kamerhe sera acquitté, au besoin sortira du pays pour bénéficier des vrais soins appropriés pour l'intérêt de la République. Que Dieu bénisse mon président de la République, Fatih Béton. Que Dieu bénisse mon collaborateur, Vital Kamerhe, et bonne guérison. Que Dieu bénisse le Congo. Ça, c'était la séquence d'aujourd'hui, lundi 30 novembre, Mbokelengi. Vous aurez encore demain ou après-demain des nouveautés, toujours dans le cadre d'accompagner la République. Merci beaucoup.